وسط فضاءات مغربية متعددة شملت مدن طنجة والرباط ومراكش ونواحيها، خاصة مرتفعات لوكيمدن، وصولاً إلى مدينة سبتة المغربية، حقق المخرج المغربي الشاب عثمان الناصري أول أفلامه الروائية الطويلة تحت عنوان إشيك إيمات. إشيك إيمات خلاصة مسار مخرج سينمائي شاب حقق أفلاماً قصيرة قبل أن يمر لتجربة الفيلم الطويل، فيلم أراد من خلاله الحديث عن استغلال الإنسان للإنسان والتلاعب بمشاعره وهويته، وذلك بسرد وقائع قصة اجتماعية يتقاطع فيها الحب بالكراهية والبحث الدائم عن الحقيقة الصادمة. En ce moment, je suis en train de tourner mon premier long métrage qui s'appelle Échec et Mat. Il s'agit d'un projet de film dramatique générationnel qui se passe sur deux générations. Une première partie dans les années 60, où donc c'est l'histoire des parents, puis l'histoire des enfants qui mènent l'enquête sur leurs parents 40 ans plus tard, en 2012. Le scénario était construit en plusieurs parties. C'était d'abord l'histoire des enfants en 2012, d'une enquête qui est menée, de quelque chose qu'on ne voit pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas construire l'histoire des parents ? Pourquoi ne pas construire ce qui se passe 40 ans plus tôt, pour le montrer. Et donc j'ai construit cette histoire, j'ai construit la première partie de l'histoire, et ça a fait ce film qui a été construit en deux parties et qui fait un seul même film. Donc les personnages partent, c'est un film construit en losange, les personnages partent En se connaissant puis se séparent, et leurs enfants ne se connaissent pas et font connaissance plus tard. Donc c'est un losange qui part comme ça, voilà. J'ai accepté de faire ce film, d'abord le casting. Donc il y a Zavier Sahabi, Saïd Bey, Omar Lotfi, Fahd Ben Chimsi, etc. Donc on a travaillé ensemble. Et c'est une occasion pour nous rencontrer. C'est un groupe de jeunes, nouvelle génération, le réalisateur il est jeune. Et aussi le rôle il est touchant, donc il y a de l'émotion et de l'action de jouge, et ça c'est très rare. Et ça j'ai jamais fait avant, donc voilà. J'ai une nouvelle avec Othman Nasseri, parce que tu sais que le film était un projet de l'année, qui nous a parlé et qui nous a parlé de l'année. Et après, il a écrit pour nous commencer le film qui a commencé à Tanja, et on va continuer à faire le rabat, et on va aller à l'Ukraine, et après, le personnage de Saïd, غنقول لك واحد الجانب فيه هو واحد السيد اللي تيحس براسو ضايع. الفيلم فيه جوج الاجزاء، الستينات و2012. انا من لي بيرسوناج اللي كاين في 2012. سعيد اللي واحد مافيوزي اللي هرب من الواقع ديالو اللي عاش فيه بزاف ديال المشاكل، وتيهرب للانحراف باش يحاول يثبت ذاته، وتيتلاقى مع اخوه، وهنا احداث كثيره اللي تتوقع تنخلي المشاهد يكتشفها من بعد خروج ديال الفيلم. C'est une super belle histoire, une belle partie d'échec entre deux générations. C'est très intéressant de voir comment il a écrit ça. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour nos parents, il y en a pour nous, il y en aura pour même nos enfants, j'espère un jour, j'espère qu'ils le verront, quoi. Je veux dire, en matière d'initiation pour le cinéma de jeunes, quoi, parce que c'est un film de jeunes de toutes les façons. Donc moi, je trouve que c'est une super histoire, hein. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sous-histoires, il y a beaucoup de morale, beaucoup de... Surtout, en tout cas, un amour pour le Maroc, je crois. Je trouve que c'est toujours intéressant de montrer notre pays dans sa globalité à travers une série de personnages, de situations qui sont maroco-marocaines et qui montrent le Maroc dans toute sa diversité. C'est toujours bien de faire renouer le spectateur avec son passé qu'il ne connaît pas et de le lier au présent et éventuellement également au futur. Qu'est-ce que moi ça m'apporte personnellement ? Toujours un épanouissement, on est dans une école permanente jusqu'au jour de notre mort. Le message que j'ai envie de donner au grand public, en espérant qu'il soit grand, c'est que ce film puisse fédérer tout le monde, puisse chacun se retrouver dans au moins un passage, dans au moins une situation, parce que je l'ai écrit pour tout le monde.
notre pays est un pays pluriel, notre société est une société plurielle, et j'espère de tout cœur que ce film puisse fédérer, voilà. Puisque le cinéma est un art fédérateur à mon sens.